99,999999999% des pasteurs de la terre entière, prêtres, etc., vont en enfer. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas ça comprendre. Hein. Si tu es pasteur, tends l'oreille maintenant. Si tu es, entre parenthèses, homme de Dieu ou femme de Dieu, et que tu as une église, tends l'oreille. Et comment, pourquoi tu vas aller en enfer? Écoute bien pourquoi tu vas en enfer. Écoute. Si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Amen. Si tu as ton pasteur que tu aimes bien là, fais-lui écouter cette vidéo. Dis que pasteur, écoute la vidéo. Écoute l'enregistrement du frère. Ou bien donne-lui une Bible qui la relise encore bien. Pasteur, écoute bien. Tu ne peux pas, dans ce monde où nous vivons, être toi un homme de Dieu et tu vis de l'argent que les gens vont chercher dans Babylone. Les hommes vont dans le monde chercher de l'argent, travailler, se soumettre aux gens dans le monde. Ils dédient leur vie au travail pour te payer toi la dîme, pour te donner les offrandes, pour qu'ils puissent toi te payer ton loyer et que toi tu puisses vivre sans travailler. Toi tu as fait le bon choix, le choix de vivre pour Jésus. Mais ton choix est dans le conditionnement d'autres personnes. Donc d'autres doivent être esclaves pour que toi tu sois libre. Il y a un problème. Pourquoi tu ne dis pas à tes fidèles, aux membres de ta congrégation, qu'écoutez, vivez pour Jésus-Christ seulement. Quittez vos jobs, vivez pour Jésus. Pourquoi tu les laisses dans le travail? Pourquoi tu ne fais que les encourager à prospérer? Pour qu'à la fin, eux, ils puissent te payer le loyer? Si tu continues à prendre l'argent de personnes qui vont dans le monde dédiées plus de 24 heures par jour, plus de 8 jours par semaine, c'est-à-dire au-delà du temps, pour pouvoir payer leur toit, leur facture, les gens qui vont dans Babylone travaillent dur. Si tu vis de leur argent, l'argent de l'esclavage, l'argent détourné, l'argent que les gens auraient dû avoir en Christ, par la grâce de Dieu, plutôt que d'aller se faire prostituer dans le monde et donner leur temps, leur énergie au monde, tu prends l'argent comme ça. Cette souffrance, tu la prends, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu ne peux pas être assis dans ta maison pendant que les gens vont dans leur boulot en train de chercher un petit 100 euros pour te payer ton foutu loyer. Tu vas en enfer. Tu iras en enfer. Tous les membres de ta congrégation doivent être comme toi. Pourquoi il n'y a que toi dans ta congrégation qui ne travaille pas? Pourquoi il n'y a que toi qui te dis homme de Dieu? Pourquoi tout le monde va dans le monde aller travailler pour que toi tu puisses être sous tes lauriers? Pourquoi tu mens aux gens sur la consécration? Il n'y a que toi qui dois être consacré, il n'y a que toi qui dois faire toute la prière pour les gens, et les gens doivent aller dans le monde se faire souiller dans le monde. Aller dans le monde se souffrir, même se prostituer, pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour te payer la dîme, pour te donner les offrandes. Pourquoi tu ne veux pas que les gens soient comme toi? Pourquoi les gens doivent être tes fidèles, alors que toi tu es le fidèle de Jésus? Pourquoi? Pourquoi tu es libre et les gens sont esclaves? Pour pouvoir te payer ton loyer, tes factures, ton courant. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu ne dis pas aux gens, ton église, de vivre réellement pour Jésus-Christ seulement? Et d'être comme toi, d'aspirer à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. De ne pas être dépendant du système, ne pas être dépendant des hommes, mais de vivre pour Jésus. Et œuvrer pour Jésus-Christ seulement. De se préparer pour l'éternité. Pourquoi tu fais ça? Tu iras en enfer. Si tu ne rends pas aux gens leur argent et que tu ne leur dis pas d'arrêter de chercher les choses du monde, d'arrêter de chercher les carrières, d'arrêter de vivre pour le monde, mais de vivre pour Jésus-Christ seulement, ou du moins de commencer à prier pour vivre pour Jésus-Christ seulement, d'aspirer à vivre pour Christ et Christ seulement, comme toi tu le fais, tu iras en enfer. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu va te demander les comptes pour toutes les âmes que tu as laissées esclaves dans le monde pour pouvoir te payer ton loyer. Hein? Pour te payer ton costume, pour te payer ta voiture, pour que toi, tes enfants puissent être à l'aise. Les gens vont souffrir. Ils vont se corrompre dans le monde. Ils ne cherchent plus Dieu. Ils cherchent seulement à avoir un petit job. Parce qu'il faut payer au pasteur la dîme. Il faut lui donner l'offrande. Tu vas en faire. Sans équivoque. Maintenant, beaucoup de gens me disent, mais Gobam, beaucoup de pasteurs ne font que imiter l'apôtre Paul. Écoutez, j'ai toujours dit que lorsqu'il s'agit des paroles de Paul, je ne suis même pas sûr que beaucoup de choses qu'on écrit dans les épîtres viennent de lui. Il y a un long débat théologique sur la validité de ses écrits. Mais si Paul réellement était du genre où lui, il vit une vie pour Jésus-Christ seulement, et il demande aux gens
de se soumettre à leur job, de vivre une vie normale, en ayant un pied dans Jésus et un pied dans les choses du monde, alors là, Paul n'ira pas au ciel. C'est que je vous assure que personne ne soit choqué. Si c'est ce que lui faisait vraiment, hein, lui, il allait de ville en ville. Il vivait pour Jésus-Christ seulement. Il n'avait aucun patron si ce n'est Jésus-Christ. Si lui, il permettait et il laissait les gens être toujours subordonnés au monde, pouvoir payer ses voyages, s'il fait ce genre de choses, Paul n'ira pas au ciel. Il n'y a rien à faire. Il ne sera pas sauvé. Et pas seulement lui, mais n'importe qui. N'importe quel apôtre, n'importe qui. On s'en fout de qui les gens sont. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, il n'est pas serviteur de Dieu. Un point trait. C'est tout. Tout le monde doit imiter Jésus. Et tout le monde doit vivre la vie que Jésus-Christ vivait. Tout le monde, sans aucune exception. Si tu es de Jésus-Christ, tu dois vivre comme Jésus a vécu. C'est tout. Ta préoccupation doit être réellement dans la vie que Dieu veut que tu vives. Non pas ta vie, non pas tes plans, non pas tout ce que le monde fait, mais ce que Dieu désire pour toi. Vraiment. 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 Donc, si tu veux continuer à vouloir diluer les paroles de Jésus-Christ, pouvoir justifier ta vie, justifier tes choix, justifier tes ambitions, justifier tes passions, justifier tes décisions, tu refuses de prendre conscience du fait que tu dois être en Christ et en Christ seulement. Tu veux te convaincre par les théologies de Paul, par les longues rhétoriques. Puisque ton cœur est divisé là, l'état d'esprit qui t'anime, c'est ça qui te retrouvera quand tu vas mourir. Tu vas rester comme ça toute l'éternité, indécis, dans l'enfer indécis. Tu comprends, ça te poursuivra après la mort. Tu veux pour Jésus-Christ à moitié, non? Tu ne verras pas Jésus-Christ à moitié. Il n'y aura pas pour toi un peu le ciel, un peu l'enfer. C'est l'enfer parce que Dieu ne connaît pas les moitiés. Soit tu es pour lui, soit tu n'es pas pour lui. Jésus a marqué une ère nouvelle. Ce n'est pas de ta faute si les pasteurs t'ont menti. Même moi, m'ont beaucoup menti. On nous a tous menti, nous tous. On nous a tous leurré, nous tous, sur le salut. On nous a menti sur tout et tout. Vous comprenez? Mais les paroles de Christ sont écrites noir sur blanc. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Celui qui veut la perdre, la gagnera. Sans équivoque. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tout. Quand tu suis tes passions là, parce que tu veux gagner ta vie, non? Hein? Donc voilà déjà ta condamnation. Quand tu suis tes ambitions, tu vas dire, oh, Goubam, c'est légitime. Qu'est-ce qui est légitime? À qui? Auquel des apôtres Jésus a donné une carrière? Auquel des apôtres Jésus a donné un travail dans une compagnie? Ça va pas ou quoi? Quelle légitimité? Jésus a-t-il changé? Jésus veut que tous ses enfants soient au combat, que tout le monde le serve. On me dira, mais Gobam, non, j'ai un loyer à payer, j'ai une voiture à payer, j'ai ceci, cela. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'avoir une voiture? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'avoir un loyer? Dieu t'a dit que pour aller au ciel, il faut avoir un loyer? Hein? Ce qui te paraît toi normal n'est pas forcément normal pour Jésus. Qui t'a dit ça? Qui t'a inculqué ces valeurs? Qui t'a dit qu'un homme devait avoir un toit? Qui t'a dit qu'un homme devait avoir une voiture? Qui t'a dit qu'un homme devait pas avoir de dette? Qui t'a appris ça? Qui t'a dit ça? Qui? Jésus a vécu comment lui-même? Comment Jésus a vécu? Jésus avait une maison? Non. Jésus était clochard, clodo. Ok? Jésus avait une voiture? Non. Il marchait. De temps en temps, il a pris un âne. Donc ces choses-là, c'est bon de les avoir. Mais si tu ne les as pas, où est le problème? Donc, la vie des gens est compliquée parce que les gens sont dans des choses que Dieu n'a même pas désirées pour eux. Des choses inutiles pour eux, mais pour lesquelles ils pensent sont utiles. Tu me diras, mais Gobam, on va me couper le courant dans ma maison, on va me couper l'eau. Dieu t'a dit que tu as besoin du courant dans ta maison, il t'a dit que tu as besoin de l'eau, il pleut, non? Il y a la pluie qui tombe du ciel. Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Quelle excuse tu vas donner à Dieu pour continuer à suivre le monde? Quelle excuse donneras-tu au Seigneur? Quelle excuse? Quand lui-même il a vécu sans eau, quand lui-même il a vécu son courant, quand lui-même il a vécu sa maison, quand lui-même il a vécu sa voiture, quand lui-même il a vécu ces choses sans ton confort, tout ce que tu as. Quelle excuse donneras-tu à Dieu quand tu seras en face de lui? Quelle excuse? Dis à ton pasteur de se repentir, il va en enfer. Il n'y a rien à faire. S'il ne change pas là, il va en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es continue à te mentir là, pourquoi tu continues à être pour lui comme une vache qui va traire le lait? Pour payer ses factures, il ira en enfer. Il ira en enfer. Le désir de tout berger, c'est que ses brebis deviennent comme lui. Et il n'y a que Christ qui a ce désir. Même Paul a failli. Il dit aux gens de le suivre et de lui suivre Jésus. Ça va pas ou quoi? Qui ne suit Paul et puis pas pour ce qu'ils ont suivi Jésus? On suit Jésus-Christ seulement. Tout le monde a failli. Il n'y a que Jésus-Christ, le bon berger. Donc si tu suis les hommes là,
Tu vas te faire mal. Tu suis ton pasteur, tu vas te faire mal. Tu suis l'apôtre, hein, tu vas te faire mal. Suis Jésus seulement. C'est Paul sans...